Laurent Founègre évoque une petite anecdote réelle qui s'est passée dans l'Est de la France. Et dans cet Est de la France, un parti d'extrême droite a réalisé son meilleur score. À la suite de cela, à la présidentielle de 2012, un meeting a eu lieu. Et à la suite de ce meeting, évidemment, une cohorte de journalistes sont venus investiguer dans ce petit village, notamment voir comment vivaient un peu les Indiens de ce petit village. Et je suis parti de cette anecdote pour bâtir un véritable roman avec un journaliste qui viendrait lui aussi enquêter. Sauf que ce journaliste, c'est pas vraiment un journaliste de profession, c'est quelqu'un qui a vécu pendant longtemps au Moyen-Orient, pendant 20 ans, et qui a été rapatrié un peu contre son gré à la suite d'une... Il a sauvé un journaliste, en fait, qui était en reportage dans un pays en guerre et s'est retrouvé rapatrié avec lui. Et on lui a donné comme tâche, parce qu'il est arrivé sans rien dans ce petit village, enfin sans rien en France, donc on lui a donné comme tâche d'aller investiguer dans ce petit village et de devenir en quelque sorte une sorte de journaliste d'opérette. Donc il arrive un peu naïf dans ce village, il est accompagné d'un preneur de son qui est aveugle, et cet étrange équipage va venir enquêter sur ce village pour savoir pourquoi les gens votent à l'extrême droite. Ils vont rencontrer différents personnages, un vieil agriculteur, une tenancière aussi de gîte rural qui s'appelle Emma. Et tout ça, c'est pour faire le lien avec une histoire qui va se bâtir au fur et à mesure. Et dans cette histoire, en fait, c'est pour ça que le prénom Emma est important. Ben, j'ai en quelque sorte pris au pied de la lettre les mœurs de province de Madame Bovary, qui était le sous-titre initial de Flaubert. Et j'ai voulu moi-même bâtir des mœurs de province, un véritable roman, un roman d'amour, un roman de mort, dans ce petit village. Mais derrière, pour corser, et puis pour le replacer surtout dans l'actualité, j'ai ajouté derrière toute une en tâche de fond, un discours collectif qui est en quelque sorte promu par un nous collectif qui nous réunit. Et je vais rebâtir l'histoire de ce petit village avec ce nous collectif qui fait partie de notre histoire littéraire, notre histoire politique, et qui va finalement donner corps à ce petit village en tâche de fond. Voilà. Et l'histoire, au fur et à mesure, donc qui part comme ça, qui a tendance un peu à s'élargir, va se resserrer au fur et à mesure de cette histoire pour arriver jusqu'à essayer non pas de trouver une explication à cette tendance de voter extrême droite, mais d'essayer de préciser qu'est-ce qui se passe en France en ce moment, actuellement. Ceci dit, tout en partant évidemment de ce qui s'est passé au siècle dernier.